Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Le thème d'aujourd'hui va s'articuler sur les hémorroïdes. Donc, nous allons donner un traitement pour les hémorroïdes. Donc, mesdames et messieurs, avant de continuer, abonnez-vous et likez la page. Et donc, les hémorroïdes sont des veines dilatées qui se forment dans l'anus dite externe ou dans le rectum dite interne. Et il est normal que les veines de la région anale se gonflent légèrement au moment de la défécation. Mais c'est quand ces veines restent dilatées en permanence qu'elles deviennent des hémorroïdes. Et si ces hémorroïdes deviennent douloureuses, démangent et ou saignent, on parle alors de crise hémorroïdaire. Alors, quel médicament utiliser pour résoudre ce problème? Nous allons vous proposer des médicaments de la famille des vasculoprotecteurs et venotoniques, comme le Daflon, qui sont constitués de flavonoïdes. Voilà. Le Daflon stimule la circulation du sang dans les veines et lutte contre l'altération des vaisseaux capillaires. Il se présente sous deux dosages, le 500 mg et le 1000 mg. Donc, mesdames et messieurs, comment prendre le Daflon en cas de crise hémorroïdaire? Avec un grand verre d'eau au moment des repas, prenez 6 comprimés de 500 mg ou 3 comprimés de 1000 mg par jour et les 4 premiers jours. Puis, 4 comprimés de 500 mg ou 2 comprimés de 1000 mg par jour pendant 3 jours. Déjà, en 7 jours, vous avez un traitement au complet et vous vous sentez très bien à l'aise. Mais après la prise, fréquemment, il y a de la diarrhée et une digestion difficile, des nausées, des vomissements aussi qui surviennent comme effet indésirable. Soyez-en sûr, la femme enceinte peut prendre le Daflon. Par contre, c'est déconseillé pendant l'allaitement. Comme bonus, le Daflon est utilisé également dans le traitement symptomatique des âmes lourdes en raison d'un comprimé de 500 mg à midi et un comprimé de 500 mg également le soir. Comme conseil, adoptez un régime riche en fibres alimentaires, des boissons abondantes et un exercice physique régulier pour limiter les risques. Et mesdames et messieurs, il y a une question qui tourne autour des hémorroïdes. Et elle est la suivante. Y a-t-il un lien entre les hémorroïdes et les troubles de l'érection? Abonnez-vous, les réponses seront dans nos prochaines vidéos. Donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro. Likez la vidéo et partagez-la. Et prenez soin de vous, car chaque jour est une vie.